Voilà. Synchro de la 1 et de la 2. Synchro de la 1 et de la 3. Ça c'est le trim. Le trim de direction. Le trim de direction. Voilà. Et le trim de profondeur. Alors, tu l'as ici en manuel. Ouais. Sinon tu l'as au guidon. C'est les deux boutons en même temps, donc à cabrer, à piquer, comme sur le joystick. Et que tu as pris l'habitude là, tu as du mal à revenir là. Et maintenant, on lance l'audio ici. Voilà, parti. Donc je ferai le réglage audio quand on aura lancé la radio. Le smartphone, il est sur batterie. SDVFR est actif. Ah ouais, tu vois, je suis passé de 34 à 35%. Sur mon stylet, j'ai mis une vraie boussole. Ah oui, on est amende. C'est un compas. Un compas, ça. Quelque part qui traîne, il y a le GPS. Voilà. Avec la petite carte magnétique en dessous pour faire dévier le. Ouais. Tu le mets en dessous. Et le GPS, et je ne le touche pas, je le laisse dans la foulée de ce matin. Ah, sur le Silus, ça change, d'accord. Ah oui, ok, ouais, d'accord. Ah oui, mais c'est chiadé alors. J'ai une différence de 10 degrés entre le nord et le sud. D'accord. C'est embêtant. C'est bon. C'est pour la déco. Ouais, mais c'est bon, c'est sûr. Je regarde toujours le cœur là-dessus. Ouais. Alors, donc, le frein de parking, on va le remettre. Si jamais je fais une malaise, au moins on ira pas loin. On n'ira pas dans la barrière. Ouais. On a besoin d'électricité. Master switch. Et voilà, tout il est calé. Et après, je te dis qu'ils seront en marche avec le casque et je te fais un petit. Et je vais. Donc, je te mets rue 11 et je te mets le chasse-zac. En bas, comme ça on aura dans les deux GPS la même donnée. Bon, la tacte, il l'a pris. Voilà, Patrice, je t'ai mis tous les points. Super. Alors, on va à l'ombre. Non, Waze, on n'a pas besoin de Waze. Ah, la porte n'est pas fermée. Alors, la radio, elle dit quoi la radio? Un, deux, trois, quatre, cinq, ça m'a l'air d'être bon. Ça c'est l'interrupteur du PA, donc il fait PA et, ou juste directeur de vol, mais nous on va mettre le PA. Donc tu vas partir de là. Donc là tu as les volets. Tu as les volets ici, le frein de parking, etc. Donc là on va avoir le DME et le DF, ça il est enlevé. Là on a tous les instruments de secours, puisque c'est du glass cockpit, mais en revanche en cas de panne, donc on a une PI de secours, un LD de secours, un horizon de secours. Mais tiens, tu vas tirer sur Pull to Cage, tu le tires.
tires jusqu'à ce que l'horizon soit stable. Tu tires à fond. Il faut tirer à fond et tu laisses tirer jusqu'à ce que l'avion, jusqu'à ce que l'horizon. Non, non, il faut laisser tirer jusqu'à ce qu'il soit stable. Tu vois? Voilà. Là, tu tires pas à fond, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et à Baden secours, voilà. Donc ça c'est l'alternate, ça c'est pour parler. Bonjour. Et ça c'est pour désactiver le PA. Quand on l'aura. Donc j'entends mieux Phil quand on est dans le PA. Lande Fox Golf Bravo Tango Novembre, c'est 572, 3 personnes à bord. Donc là on a le PFD, le Primary Flight Display, avec l'indication de vitesse, d'altitude, de vario, le cap. Alors voilà, nous ce qu'on aura besoin pour régler le PA par exemple. Là par exemple, on voit que la petite pilule elle est au 0,60 là, alors que je suis au 330. Si jamais j'enclenche le heading, boum, on va partir en virage à droite. Donc avant, il faut penser à appuyer un petit coup là, tac, et ça met la pilule en face. Donc là, je peux faire heading, halt, il va me verrouiller le heading et l'altitude. Si je le désactive, c'est là. Voilà. On peut rentrer une altitude, mettons, alors, t'as un bouton, on regarde chaque machin, donc si je veux lui mettre 4000 pieds par exemple, voilà, 4000 pieds. Donc là, je fais heading, et là, je vais faire alt VS. Donc alt VS, là, il va venir me capturer l'altitude. Donc dès qu'on va y arriver, il va se mettre en palier. Du coup. Ça, c'est si jamais on veut régler un vario. Bon, on s'en sort. Et par contre, le QNH, il est à combien le terrain ici? Ah, je me rappelle pas ce qu'il a dit tout à l'heure. Ouais, je vais regarder. Je pense que c'était pas 1018, mais non. Je l'ai. Le terrain demande. De toute façon, il va nous le dire. 3362 pieds. 3300. Donc, si je mets l'altitude, bah, tu vois, il est bon en 3080. Mais voilà, donc tu règles. En réglant le 20, ça, 3360, donc le QNH est à 1021. Voilà. Là, en réglant l'altitude du terrain. Donc là, on va avoir tout le bloc de radio. Donc, ça, c'est la boîte de mélange pour le pilote automatique. Donc, nous, ce qu'on va utiliser, c'est heading et alt. Voilà. Les deux GNS, et là on va avoir tous les paramètres moteurs et éventuellement les cartes d'aérodrome, la carte, etc. C'est, voilà, ça c'est ce qu'on appelle le MFD, Multifunction Display. Alors le réservoir le moins plein, on voit que le réservoir gauche, c'est le réservoir qui est le moins plein. Donc on va rester sur le droit. Et on fera les essais moteurs, comme ça on décollera sur le réservoir le plus plein. Voilà. La porte, je la fermerai quand on sera à l'île là-bas, parce qu'il va être vraiment très très chaud. Ça, je vais l'enlever de là aussi. Donc c'est à la direction d'Avignon, hein. On se pose pas au Benin, on a dit. Hein. On va donc vers au Benin et on se pose pas, non. Ah non, à l'Est, on va à l'Est, voilà. Oui. Au Benin, Rion, à l'Est. Dans l'idée. Bande de Fox Mike Sierra, bonjour. Foxtrot Mike Sierra, mon information, bonjour, la piste 30 en service avant 300 degrés 6 à 11,2, la visibilité 10 km, nuage épars, base non communiquée, le QNH unité 022, rappelez point d'attente prêt. On rappelle point d'attente prêt, on a copié 1022 au QNH et la 30 en service, merci. Bah tiens, si tu veux le rouler. Hein. Hop. 1, 2, 3. Allez, la main sur le manche, la main sur les gaz. Alors, tac, on va prendre un top. Ouais, 55. Ah, le volant, c'est pas fait de le tourner. Voilà, c'est avec les pieds qu'on conduit. Donc là, c'était pas difficile sur les palonniers. Ça ne marchera pas. C'est pas en voiture, là. Voilà, mets du moteur. Voilà. Sauf que on est au point d'entente Alpha, prêt pour monter la 30. Donc la réduit. Voilà. Faut que je tango devant, moi, on a planifié piste 30 près au départ. Là, on remonte la piste 30, on s'aligne et on rappelle prêt au départ. Faut que c'est un joue sur les palonniers, tu vas pour aller à gauche, à droite. Non, le manche, ça sert à rien de tourner. Mets du palonnier à fond à gauche. Voilà, tu vois, il va à gauche. Mets-le à droite, par exemple, pour aller là maintenant. Voilà, on se dirige, on conduit comme des pieds. Voilà. Là, je t'entends pas, hein, tu peux pas avoir le micro devant la bouche. C'est un peu plus droit le. Non, non, c'est pareil, ça dépend comment il a la roulette, hein, voilà. Non, le volant ça sert à rien de le tourner. Bon, allez, on va s'arrêter avant la ligne jaune. Alors, c'est, moi j'ai les freins. Moi, je Foxtrot Mike Sierra, pour information, vous avez la possibilité de remonter la piste ensemble avec le Tango Novembre entre commandants.
Eh ben écoutez, on va maintenir la position là, comme ça je fais un petit briefing là et il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Alors, comme ça on a le temps de finir de voir tout. Donc le fond de parking on va pas le mettre. Le temps qu'on passe ses moteurs et tout, il aura décollé lui. Donc en tout cas c'était sympa. Les freins sont... Je m'en occupe des freins, voilà. Toi, tu gardes les talons au plancher. Tu mets que la pointe des pieds sur les palonniers, voilà, c'est parfait. Alors, attends les essais moteurs. Les essais moteurs, la température, elle est dans le vert. Donc c'est bon, on va pas abîmer le moteur. On peut faire les essais moteurs, donc tu vas prendre la manette de gaz et tu vas monter vers à peu près 1800 tours. Entre 1800 et 2000, voilà. Alors, voilà, c'est bon, c'est bon. Alors, on cherche pas. Non, mais laisse. À 1800 tours, tu te mets à 1800 tours. On va faire des essais moteurs. Donc, tu mets 1800 tours. Alors, s'il y a 1820, c'est bon, hein, c'est pas 10 tours près, hein, voilà. Tu regardes en haut, tu regardes là. Là, t'es bien, là, tu es à 1770, c'est 1800, voilà. On va faire les essais magnéto. Là, tu enlèves ta main. Voilà. On va essayer la magnéto droite. Donc, faut pas qu'on ait plus de 125 tours de chute. Du 100 tours, 110, 120, c'est pas plus de 175 tours. Donc je remonte, ça doit revenir à 1800. Enfin, on n'était pas tout à fait à 1800, on était à 1770, là, un truc comme ça de mémoire. On va essayer l'autre magnéto. Voilà, de toute façon, si on avait une perte de magnéto, là, ça rate à tout virer. Voilà. Ok, on va essayer le réchauffe carbu qui est là, donc tu vas le tirer vers le bas. Pousse-le vers le bas. Voilà. On doit perdre des tours. Voilà, 1740, c'est bon. On remonte. On l'a essayé. On va essayer le ralenti. Tu mets le plein réduit. Vas-y, plein réduit. Tango Lora, moi. On est prêt. On va décoller piste 30. Voilà. Donc, Tango Lora, on passe sur le V7 à 11 nœuds. Rappelez, on sort du circuit quittant la fréquence. Fox Tango Lora, on décolle piste 30, on fera un virage à gauche et on se reportera vers Calpirin pour prendre une direction vers Aubenas. Alors, on va faire donc le commande, CEMV, commande. Donc on essaie les commande, compensateur. Le compensateur, il est au neutre, tu vois, il est sur le neutre. Commande, compensateur, ceinture attachée. Il est attaché derrière? Attaché derrière aussi. Cabine, on va fermer la cabine. Allez, Tango s'élance. Oh, il a déjà décollé, dit. Contact, on est bien 1 plus 2. E, essence, on a 100. Combien on avait dit qu'on avait? 117 litres ou 118 litres. Il nous reste 14 gallons à gauche. 16 gallons à droite et on va faire du 9 gallons et demi à l'heure. Allez, 10 gallons, allez pour les... Essence, électricité, ça charge. Donc essence, la pompe, voilà. Électricité, ça charge. Alternateur, il est sur... ok, alternateur, il est bon, ça charge. M, moteur, pression, pression, température, on est dans le vert. MV, les volets, on met 10 degrés, donc tu vas lever un cran, comme jusqu'à ce que tu arrives à un cran, tu lèves. Et dès que tu as un cran, voilà, c'est bon, ils sont mis. Ensuite, et voilà, on a fait le tour, et ben là tu peux dire à la radio, bande de Mike Sierra, on est prêt pour remonter. Donc sur le novembre, on est en montée initiale, on va faire plutôt un virage par la droite. Pas quand il parle, voilà. Il va répondre lui. Bah, tu peux dire Fox Mike Sierra, on est prêt pour remonter. Non, Fox Mike Sierra, on est prêt pour remonter. Il a pas Fox Trot Mike Sierra, Mandre, rappelez-le, piste 30, prêt au départ. On rappelle prêt au départ, Mike Sierra. On rappelle prêt au départ, Mike Sierra. Et je pense qu'il t'entend pas parce que nous on t'entend pas du tout. Donc ton micro il doit être trop loin de ta bouche, à mon avis. Mike Sierra, on remontait en maintien.
avec les pieds. Voilà. Et on va tout droit. Et dans le cibu, tu tournes pas le manche pour tourner. Oui. Alors pourquoi tu tournes le manche là? C'est le pied qu'il faut tourner. J'ai pas le palonnier là pour l'instant. Ah ben je vais pas le savoir moi. Donc là tu aurais la main sur les gaz, ce serait plus intéressant parce que tu vas pouvoir accélérer ou ralentir. Voilà. Mais le manche c'est pas la peine de le tourner. Mets ta main à gauche sur le genou, parce qu'elle sert à rien. Par contre tu vois, va aller dans l'herbe là, mets du pied à droite. Dans le volant il sert à rien, c'est les pieds. Ah je suis chiant. Et voilà, mets un petit peu plus de sauce là, quand on met pas une heure. Là sert à rien la main gauche. Là tu peux faire ce que tu veux et ça ne bougera pas. Voilà, va tout droit. Voilà, mets un petit peu de gaz. Voilà, tu te mets vers 1200. Pas, voilà. Alors là, voilà. Et tu bouges plus les gaz, voilà. Mais par contre, tu laisses la main dessus pour être prêt à réduire si jamais qu'on passe pas le plongeon au bout. Mais je te rassure, il y a de la marge. Ah, pour le moment, on n'a pas chaud, on n'a pas froid. Hein. Ouais, bah tiens, je foute un peu le ventilo. Et je mettrai le ventilo là, avec un peu plus fort après. Voilà, on va se mettre bien au milieu de la piste. Quand on remonte une piste, on se met toujours bien au milieu, que les gens te voient bien, si jamais il y a des gens. Voilà, tu vois, on commence à voir le bout de la piste qui arrive, donc on peut réduire un tout petit peu, mais pas complètement. Voilà. C'est juste pour que la vitesse ralentisse un petit peu et qu'on utilise le mot de... Faut que je sorte Tango devant moi, au revoir, bon vol. Eh bien merci monsieur, bonne fin de journée, au plaisir, à bientôt, au revoir. Donc là on voit bien que c'est 1300 mètres. Ouais. Non, on t'entend pas du tout, tu... Ah non. Tu l'entends toi derrière? Plus ou moins. Voilà. Alors, virage à droite, l'écart augmente, l'aiguille à droite, la bille à gauche deux fois. On met du moteur, sinon on va s'arrêter. Et l'horizon reste stable. Vas-y, mets du moteur, faut qu'on s'aligne bien sur la piste. Voilà. Ok. Alors, DG, directionnel 304, transpondeur. Transpondeur, on est bien sur halte. La pompe liée, le phare lié, réchauffe pitot sans objet. Allez, Mike Sierra, on va décoller en 30. Faut que Mike Sierra monte devant 300 degrés, 8 à 14 nœuds. Rappelez en sortie de circuit quittant la fréquence. On rappelle en sortie, merci Fox Mike Sierra. Alors, on met bien les talons planchers. Le manche dans la main gauche, par contre, là, ce coup-ci, eh bien, on va mettre progressivement la manette en avant vers les pleins gaz. Allez, on y va. Allez, faut y aller. Plein gaz. Voilà, plein gaz. Mais enlève ton poids. Voilà. Parce que tu vois, vas-y, tiens là la manette. Faut toujours tenir la manette. Pour pas qu'elle recule. Alors, on a la puissance, 2240 tours. Le panneau est actif. On n'a pas d'alarme. On poursuit le décollage. On va attendre d'arriver vers 60 nœuds environ. Mets pas le manche à gauche, voilà. Reste bien comme ça, sinon on va partir en virage à droite dès que... Allez, on a la vitesse, et puis on tire sur le manche. Allez, on tire, on tire. Voilà. Et on repousse un petit peu pour qu'il accélère, mais sans plus, voilà. Tire, s'il faut qu'on passe les collines qui sont là. Voilà, parfait. Allez, on va tirer un petit peu plus, faut qu'on passe les collines. Voilà, on va rentrer les volets, ça montera mieux. Hop là. Ne sois pas trop dur aux commandes, voilà. Voilà, faut rester souple, voilà. Et il faut tirer. On peut le compenser à cabrer. Voilà. Et on va faire un virage par la droite. Attends, je te le compense comme tu veux. Et sur ta gauche, tu auras la ville de Mende. Tu m'entends? Voilà, on peut virer à droite. Tire un petit peu sur le manche, tire un petit peu sur le manche. Et il faut tirer parce que là on descend, voilà.
là, on peut aller un petit peu plus à droite là-bas. Il faut qu'on monte, voilà, faut monter au moins vers 4005, je pense. Hop, l'altitude qui est là, là on est à 3009. On va continuer à monter tranquillou. Allez, faut tirer un petit peu. Voilà, tu mets le nez sur l'horizon. C'est encore un tout petit peu plus à droite. Voilà, tout droit. Allez, faut qu'on tire un petit peu, faut qu'on monte. Voilà. Ah, c'est lourd hein, par rapport à un manche. Hein. Foxtrot Mike Sierra, au revoir, bon vol. Merci, au revoir, merci pour l'accueil, à bientôt. Allez, on va monter à 4005 et après, comme j'ai pitié, tu vas appuyer sur le bouton qui est là. Vas-y. Voilà, c'est bon, appuyez, un appui bref. On va continuer à monter. Et là, tu peux appuyer sur HDG et Alt. Et là, tu peux tout lâcher. Voilà, lui, il fait sa vie. Alors, on va aller un tout petit peu plus haut, par contre, pour être sûr de bien passer là-haut. Le manche, faut plus le toucher par contre, hein, voilà. Parce que là, en le touchant, tu pourrais l'abîmer justement. Là, non. Comment non. Non, de temps en temps, d'entendre. Non, ça c'est pour parler à la radio, ça. Là, tu, c'est ton micro, il est en bas, là, ton. Hein? Ah, là, oui. Mais là, le micro, il est pas en face de ta bouche, donc. Ah, c'est mieux. Oui, là, je t'entends. Là, je t'entends plus, voilà. Oui, là je t'entends. Ah non, mais ton micro il tombe apparemment, tu as le micro sur le menton là. Alors on va réduire les gaz par contre, mais on va réduire à 2450, on va réduire un tout petit peu, voilà. Alors ça fait secouer quand même, hein. Ouais, on va monter à 5000 à mon avis. Ouais. Alors, mais ça va pas durer longtemps. C'est bon les tours, c'est bon. Et on va réduire la mixture, je vais le faire. Bah, tu vois là on est à 10 gallons 8 et on va réduire à 9 gallons et demi. Là on règle la richesse, on règle la mixture, voilà. C'est le Ventoux qu'on voit à droite là-bas au fond. Ouais. Non. Montpellier. Ouais, Montpellier, ça fait longtemps là. On est d'accord avec Montpellier, tu crois? Ah, ben ouais. Ouais, non, on est sorti a priori. Dans toute la partie nord là et ouest. Ah, quoique non, ouais. Non, on est rentré dans l'autre. Ouais, on est rentré dans l'autre certainement. Ça doit être Montpellier. Provence Info de Fox Mike Sierra, bonjour. Fox Mike Sierra, Provence, bonjour. Oui.
Oui, bonjour monsieur, c'est un PA28 Fox Hotel Echo Mike Sierra au décollage de Mende à destination David de Alès, mais via Aubenas. On est 5500 pieds, on répond 7000. Mike Sierra, reçu, vous avez essayé de contacter Marseille Info 12055? Ah, négatif. Eh bien, si vous allez à Alès, c'est plutôt avec Marseille Info 12055. D'accord, bah on va passer avec Marseille, merci. Bah on passe par Aubenas. Hein. Ah pardon, j'avais pas compris. Alors non, vous restez avec moi si vous allez à Alès par Aubenas, donc 5000 pieds, j'ai un contact et vous me rappelez Vertical Aubenas. On vous rappelle Vertical Aubenas, Fox Mike Sierra. Et initialement, on maintiendra 5500 pieds. Approuvé. Et wir müssen zurückschalten auf die alte Frequenz. Ok. Alors là, ce qu'on peut même faire, vu qu'on avait, tiens, on va le mettre sur la carte ici. On a fait un go-to sur Aubenas. Donc là, on peut même appuyer sur nav deux fois. Donc là, il va aller à Aubenas, quel que soit le vent, il va corriger la dérive tout seul. On s'en va l'enlever. Merde, voilà, vecteur. Ok, Manu. Bonjour, go ahead. Lima X-ray Alpha India Tango is via my flight from Lyon-Bron to Montpellier and on course to Italy at 3000 feet. Ok, 400 class, India Tango. 182, Lima India Tango. Roger, and which one of Montpellier airfields are you aiming to? Montpellier Méditerranée, Lima India Tango. Ok, thank you. So transit approved, QNH 1016, report any altitude change. QNH 1016, report altitude change and... Les zones de salon sont actives, vous pouvez les contacter 135-15 à tout à l'heure pour la suite. 135-15, j'accepte. Là, on va avoir le lac de Villefort un petit peu plus loin sur la droite là-bas. On va commencer à l'apercevoir, là, regarde. Ah oui. Oh, t'as souvent des Canadair. Lima, Lima Tango, confirm the clear for Lima 55 Bravo. Le bon, le bon. Roméo 55 Bravo is not active. Ah oui, moi aussi, ouais. Là, t'as le Blémard, tout ça, là. Voilà. Bah là-bas, le pont de Montvert, c'est de l'autre côté. Voilà, Fignel, c'est le pont de Montvert. Là, tu vas vers... Il y a Concoule, là, Vialas. Et Ginolac, là-bas, au fond. Provence, il y a si Alpha de retour. Ah, le salon, vous voulez pas? Ah, c'est magnifique, hein, ouais. Non, salon, on est de repasser avec vous. Ils allaient vous prévenir que je pouvais couper en vague, c'est tranquillement. Ok, je vous écoute. Alors Yankee Alpha, le type d'appareil, la provenance et la destination. Je viens de Cicéron, à destination de Sauvian, Lima, Fox 3424. Une personne à bord, au niveau 65, 7000 au transpondeur, en QNH 1007. Yankee Alpha, le type d'appareil? Un ULM Frenchia. Alors, vous auriez le code de Cicéron? Lima, Fox, novembre, Sierra, je crois. Reçu, merci. Et j'ai pas compris la destination.
Alors au Sauvian Lima Fox 34 24. Alors Philippot, il y a... Reçu, merci, transit approuvé, Yerkelpa. Ah mais il y a déjà un retard. Provence, information, Yoga Zulu, bonjour. Yoga Zulu, Provence, bonjour, j'écoute. Yoga Zulu, un rafale, décollé 10 vers East, je sors des CCA de Toulon, retour vers East, transit côtier, je suis 1500 pieds, merci. Ok, j'ai contact Yoga Zulu, je vous rappelle pas qui. Le manger a bien des jambes là-bas, Yoga Zulu. Il fait comme une pointe là-bas. Ah oui, d'accord. Il est tout seul là-bas. Donc lui il arrive à Joyeuse, donc je sais pas s'il va aller où. Il est sur Joyeuse Philippe, là, il est devant nous là. D'accord. Parce qu'il y a du relief, sinon si... si dans la vallée du Rhône, ça va pas secouer. Tu vas aller plus vite ou tu vas aller moins vite, sinon plus là devant ou derrière. Ouais. Et là ça va, on est un peu haut là, si... Hein. Mais c'est sûr qu'avec 22, tu te fais brasser si t'es en bas là. Ouais. Ah oui. Il y a 22 là. Ouais. 18, 22, voilà. Et là on est à 123 nœuds en vitesse sol, là voilà. Ah oui. 122. Ah, alors là j'ai les pieds à droite, donc je vais mettre un petit peu du compensateur. Mettre les pieds à droite pour justement remettre le... Yoga Zulu, Provence. Ouais. Chanel 17, vous pouvez quitter Yoga Zulu, à bientôt. Yoga Zulu, je quitte, au revoir. Je regarde, si je mets les pieds à droite, elle va partir à gauche. Ouais. Ça c'est le... gros pilote qu'avec ça. Ça là c'est l'instrument de secours. Alors, et, d'accord. C'est pas une dernière s'en servir, hein, voilà. On est déjà à 7 minutes d'Aubenas. Ah ouais. Ça va vite, hein. Ouais. On est en train de le rattraper, là on le rattrape bien lui. À 11-7 de l'aéroport. Et à combien, 5000? 5004. Alors lui, Philippot? Ah je sais pas. Ah bah tiens, on voit, c'est pas le chasse-lac dessous là? Je sais pas. Bonjour. Ah non, c'est la Drobi. Station rappelant l'info, bonjour. Charlie Mike, Sima, planeur de place, provenance. Le petit salut, destination, pardon, si possible, de. Sur. Et je voudrais frapper, donc j'étais avec Orange tout à l'heure et je reviens avec vous. Ouais, le planeur appelant l'info, vous avez une très mauvaise radio, vous me répétez l'indicatif. Fox Charlie Mike, Juliette Lima. Fox Charlie Mike, Juliette Lima, vous êtes équipé transpondeur? Transpondeur, c'est facile. On voit le terrain de Bonnet, on va tout là-bas. Reçu, votre provenance, votre destination? Provenance de Toulouse, destination Villon-sur-Verdon. Reçu, Juliette Lima, latitude actuelle, j'ai pas de contact. Je voudrais traverser la vallée du Rhône. Ça, c'est remonter l'Ima. Ça
y est, j'ai le contact, merci. Julie Tima, vous m'appelez pour en quittant les zones. Et Provence de Mike Sierra. Mike Sierra, j'écoute. Oui, on est à 4 minutes de Obana et on va descendre et passer avec eux si c'est possible. Reçu, vous vous posez du coup à Obana, Mike Sierra? Je pense pas, on va faire un circuit et pour exercice et après on mettra la route sur Alès en restant à 500 pieds sol. Reçu Maxira, donc je vous signale un appareil midi synotique qui arrive vertical au Benin à 2500 pieds. Vous me rappelez Libérant 3000 pieds. On vous rappelle Libérant 3000 pieds, une copie de transit sans se poser Maxira. Lima, India Tango, France. Lima, India Tango, vous êtes? Lima, India Tango, traffic information 12 o'clock, 3 miles, opposite track, VFR traffic, steady, 1600 feet below. Uniforme Juliette, je vous écoute. Car planeur, Fox Charlie Golf Uniforme Juliette, toujours décollé du Mazer, monté, je passe de 44 pour aller jusqu'à 65 dans Blue Whiskey. Blue Whiskey 65, approuvé pour Uniforme Juliette. Il y a déjà un autre planeur dans le secteur. Vous êtes équipé transpondeur? Négatif, j'ai pas de transpondeur avec le port. Pas de problème, vous m'appelez pour quitter Blue Whiskey. C'est bien pris, donc le Blue Whiskey approuvé jusqu'à 65 pour Uniforme Juliette. Provence, Novembre Zoulou. Novembre Zoulou, j'écoute. Novembre Zoulou, donc je suis en train de quitter le Blue Whiskey par le nord-ouest. Je suis actuellement juste en dessous du niveau du 65. Ça fait pour quitter la fréquence et repartir avec un M. Reçu, donc vous allez croiser un autre planeur. Eh bien, vous pouvez quitter Novembre Zoulou. Bonne fin de journée. Merci, à bientôt. Provence, information du Mike Golf Tango 37 unité, bonjour. Mike Golf Tango 37 unité. Provence, bonjour, j'écoute. De surveillance maritime push-pull Perpignan destination du Castellet, libéré pour Toulon, on est à Fruit Nautique du Castellet pour switcher avec eux. Et bien faites donc le Castellet 19-0, au revoir. 19-0, au revoir. Votre Benin à gauche. Ouais. Ça bouge pas mal, hein. Provence, Fox Tango Novembre, bonjour. Ah oui, détends. Station en plein Provence, votre indicatif. Fox Golf Bravo, Tango Novembre, Provence, bonjour. Fox Golf Bravo, Tango Novembre, Provence, bonjour, j'écoute. Monsieur, Fox Tango Novembre, c'est 572, 3 personnes à bord. On vient de faire une roco sur Aubenas, on quitte les installations d'Aubenas, 2400 pieds. On va survoler les gorges de l'Ardèche, 2400-2500 pieds. Ah oui, et on fera route sur le terrain d'Alès qui sera notre destination. Reçu, le QNH 1016, vous m'appelez approchant Alès. 1016, on appelle approchant Alès, ça me le rend pas. Fox Maxera, Provence. Oui, j'écoute. Maxera, donc le trafic précédemment signalé est au sud de votre position 4 nautiques en éloignement. Vous pouvez quitter pour vous intégrer à Aubenas tout à l'heure pour le site. Merci, à tout à l'heure, on a visuel sur le trafic dans les verticales. Ben là, je fais directement là où tu voulais aller. Après, tu fais vers le sud, vers Reims. Ouais. En te décalant de 1 km sur la gauche, quoi, je dirais. Attends. Au Benin de Fox, Mike Sierra, on passe à vertical 3000 pieds et on va se reporter en vent arrière pour la 18. 36. Ah tiens, là c'est vachement joli aussi le village qui est à droite là. Ouais. Regarde sur ta droite, Pascal. Ah oui. Et on a du Fox Delta Fox, on est pour la tente Alpha 36, on s'aligne, on décolle. Aubenas, Fox Mike Sierra, on arrive en vente arrière pour la 36. Joli là, je vais inquiéter un petit peu. Ouais.
Ah ouais. Ah ouais, superbe. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est la plage. Non. Voilà, je vais longer l'Ardèche jusqu'à Rue Hops. La Rue Hops, c'est quoi la fréquence? Alors la fréquence de Ruan, c'est 120. Donc 123.5, je dirais. Je ne sais même pas dire. Ah non, c'est tout à fait ça. Non, 29.75. T'es sur ton coup? Ouais. Ah non, 120.35. 120.35. Ah bah oui, effectivement. Où est-ce qu'il sort celui-là? Ah ok. De Mike Sierra, on est 2000 pieds, on va quitter la vente arrière pour un vol local dans le sud des installations vers Rue Hops. Benoît de Fox Delta Fox, on est en sortie de circuit par le nord pour une montée verticale 115 points largage estimé dans 15 minutes. À tout de suite. Le village dont tu parlais, c'est celui-là, hein, je pense. Ouais. Alors, non, c'est l'autre un peu plus loin, mais il y a celui-là aussi qui est joli, voilà. Ah, moi je parlais de celui-là qui est dans la, sous la base, là, voilà. Ouais. Avec le pont, là. Ouais, c'est ça, bah, alors ça c'est le cirque des gens, a priori. Ouais. Ah non, c'est pas le cirque des gens, il est un peu plus loin. Ça c'est l'autre patelin, ouais, d'accord. Balazuc. Balazuc, c'est ça. Balazuc. Tout à fait très beau et bien à voir, à visiter. Là, je te mets qu'il est un petit peu pour la vidéo. Bah, c'est vraiment pas ce Balazuc cap au sud. Voilà, il cercle des gens, il est juste un petit peu plus loin devant là. Et Ruan, c'est à gauche. Voilà, alors le cercle des gens, tu veux qu'on y passe? Ouais, ouais. C'est à gauche là? Non, non, il est juste derrière en dessous là. Ah. Voilà, c'est celui qui est à droite devant toi là-bas. Ah là-bas là ? Ouais. Ah oui, c'est avant d'arriver à Rue Hops quoi. C'est ça. À Rue Hops de Mike Sierra, bonjour. À Rue Hops, Mike Sierra, PA28 en provenance de Aubena, on est 1800 pieds dans le nord. On fait un vol local sur le cirque des gens. Dans la foulée, bah, t'as le terrain d'Aubena. Rue Hop. Ah, derrière. Rue en soi, en soi, en soi. Là, on est pratiquement plus ou moins dans l'axe de la finale. Ah, voilà, d'accord. Tu veux que je fasse un passage ou pas? Ah, bah, si tu veux, ouais, comme tu veux. Hein. Magnifique. Hein. Ah, bah, voilà, le terrain, il est juste à gauche, là. Là, t'as les gauches, bah, là, tu vas avoir. La bonne, la bonne à droite là. Ouais, c'est ça. Rue Hops, Mike Sierra, dans les verticales 1800 pieds. Voilà la bombe avec le chien passe, tout ça, là voilà. Ouais, c'est ça. Ça c'est vraiment les super jolies gorges. Ouais. Ça a super marché. Voilà, il y a 2 ans on était quelque part là-dessous. Fox Mike Sierra, on va se mettre en vente arrière pour faire un passage basse hauteur dans l'axe 18. Allez, bonsaï.
Banzai. Alors je vais éviter un petit peu le village, voilà, je vais aller un peu plus loin. Ouais. Et il y aura une jolie vie, il y aura une jolie vue sur ta droite. En plus on a le vent dans le cul. Ah ouais. Regarde la manche arrière, il y a un sacré vent du sud. Ah ouais, c'est clair. Tant qu'il vend du vent, je veux dire. Ouais. Pascal, il est bien ce Microsoft 2020. Ouais, t'as vu ça un peu. La région est magnifique, hein, franchement. Ah ben là, ici, oui. Ruops, Fox, Mike Serra en vente arrière 18 pour un passage basse hauteur sans intention d'atterrir. Donc voilà, on arrive sur le cercle des gens. Ouais, c'est ça, tu vas aller sur ta droite, là, voilà. Ben, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Eh ouais, un nom bizarre. Cirque des gens, c'est ça ? Cirque des gens, ouais. Des gens. Il y a une carrière, là. Rue Ops, Mike Sierra en finale 18 pour un passage basse hauteur. Profites-en Patrice, profites-en. Oui voilà, mais ça ne bouge pas trop, t'as vu, les arbres ne bougent pas trop, il y a pas trop de... Et encore que sur la piste, il y avait un bon vent. Il y a 5-2 là. Bien comme ça fait une jolie vidéo. 46. Hop là, Rue Ops en face. En finale 18 pour un passage basse hauteur, Fox, Mike Sierra, Rue Ops. Alors, un petit bonjour à Luc. Ah, l'herbe elle est bien verte cette année. Ouais, t'as vu, y'a plus de vent du coup. Ouais. Salut aux pilotes de l'aéroclub de l'Ardèche. Yeah. Donc voilà, maintenant, après, ben, on va suivre le chasse-zac à droite, là. Je vais à droite, c'est ça ? Ouais. On le suit, en fait. Bah, comme ça, c'est plus simple. Bah, tu fais le guidage, toi. Ouais. Bah, ouais. De toute manière, tu le gardes sur ta droite, comme ça, c'est nickel. Ouais, ouais. Là, il y a des pêcheurs. Voilà, donc une petite vidéo pour Michel, là. Un autre copain. Ah ouais, on a du monde ici, alors c'est incroyable. Ok, on va mettre la pompe, monsieur Eric, c'est ça ? Non, Patrice. Non, toi c'est Patrick ? Patrick. Patrick. On va ouais. mettre la pompe ? Ouais. Vas-y. Alors. Tu la mets vers le haut ? Ouais. Ouais, et maintenant tu vas mettre le réservoir sur left. Tu vas tourner le bouton. Rouge, le bouton rouge. Et... Ah ouais. Non, mais il faut juste le relever, c'est tout. Relever comme ça. Ben voilà, c'est bon. C'est bon. La pression. Voilà, vers la droite légèrement maintenant. Voilà, on le suit. Ouais, comme ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il est beau. Hein. Et là, on a la 12. C'est bon, la pression est bonne. Et... C'est marqué là, quelque part, je sais plus où est-ce qu'elle écrit la température. 24. 24. Alors je comprends pas sur mon plan de vol, moi j'ai pas le point que je voulais, mais bon. Tiens, ils sont à droite, regarde, les falaises sont à droite là-bas. Là-bas ? 45 à droite, ouais, voilà, c'est ça. Les falaises qui sont là-bas, ouais, c'est à 2h. Non, vers 1h, ouais, enfin 2h, ouais, c'est ça. 1h30. Voilà, c'est bon, reste dans l'axe là, voilà. Ok, c'est bon, je les ai. Mais moi, ils sont pas dans l'axe, moi j'ai rien là-bas. Oui, non, mais pour moi, au caméscope, c'est bon là. Ah oui. Mais faut que j'aille à droite. Voilà, un petit peu à droite maintenant. Et peut-être que je monte un peu, t'auras de meilleures vues, non ? Aussi, ouais. T'as vu, même moi, je dis qu'il faut monter. Ouais. Voilà.
presque oui que tout à l'heure. Hein. Ouais. Que tout à l'heure avec le Piper ou avec le Cessna ou non, que... avec celui-là. Ah oui, d'accord, ouais, que dans les... On était dans les montagnes, c'est normal. C'est bon comme ça, je me dis, je m'éloigne, ouais. Bon. Oh non, c'est bon, là c'est nickel. J'ai le bois de paille olive là-bas. Ouais, c'est ça. Voilà. Tiens, regarde Patrice, Patrick, à droite. Oui. Ça s'appelle les gorges du Chassezac. Donc je chasse Zach. Là ça va être joli sur ta droite. Je vais faire un virage à droite si tu veux. Attends. Ça qui m'intéresse c'est là où on est maintenant. Voilà. Hop, là, je fais un petit virage à droite léger. Vas-y, ouais. Et ça devrait être joli là pour faire une... Ça, voilà. Ok, nickel. Impeccable. Ah oui, il y a une trique, faire gaffe en passe hauteur là. Ah il faut du raft en bas. Ah ouais. C'est bon comme ça? Impeccable. Alors je vais passer sous la... Tu l'as vu la ligne électrique là? On va passer dessous. D'accord. Hein? Parce que ça, ça ferait une belle vidéo. Ouais. On va passer sous l'arche. Ah ça c'est un volant pont d'arc, ouais. Mais là l'avion il passe pas, il est trop large, faut le faire en journée. Ah ouais, t'as duré? Non, tu rigoles. Ah c'est joli les méandres là. Ah ben là oui. Ça va, ça tourne pas trop? Impeccable. Elle. J'ai le pied marin ça. C'est aérien. Ah ben là il n'y a rien de pire là. Quand ça remue un petit peu, ouais. Quand on tourne en rond là, en général les gens qui ont pas trop l'habitude, c'est assez rédhibitoire là. Et donc allez, c'est devant nous à peu près, enfin. De toute façon, après, on va aller sur, sur Ozon. Ah oui, alors donc, je te laisse me guider, hein, tu me dis à gauche ou droite. Ouais. Bah regarde sinon par rapport au Little SDFR ouais, ouais. Que je t'ai donné. C'est à gauche. Ah oui, c'est tes parents là-bas. Ouais. Pas loin du pont. Pont de quoi? Pas loin du pont, tes parents. Calme. Ouais. On est à 5 minutes, ça vient de moi là. Le pont de quoi? Un pont là-bas. Oui. C'est tout droit devant dans 5 minutes, sont dans ses parents là. Ah d'accord. Donc tu te mettras en bordure sur la gauche, Patrice? Là, je vais au village sur la droite après. Ah ben je suis au village, je le vois pas de là. Ah non mais quand on s'en approchera. Ouais. On est à 4 minutes là à peu près là. D'accord. Enfin en tout cas, non on est à 5 minutes du point que t'as mis sur la carte. D'accord. Si t'es pas gouré. On voit le bon bouquet là-bas droit devant. Ouais c'est ça. De toute façon on le gardera sur la gauche le bouquet. Un Saint-Paul le Jeune là-bas à droite. Ouais. Donc terrain de spéléo en dessous. Alors là je veux dire moins, là j'ai fait quelques plongées par là, côté de Barjac tous. D'accord. Mais très peu. C'est qu'on peut écouter la radio avec. Ah ouais. Alors pourquoi il marche pas? Ah hein. Ah peut-être qu'on est trop bas. Mais c'est pas normal, on devrait l'entendre. Le volume est à fond. Ah c'est qu'il est mort alors. Ou alors on est trop bas.
que quand tu mets 216, tu chopes RMC en grande onde. Ah bon? Et donc du coup, c'est... D'accord. Leurs émetteurs sont tellement puissants, que tu les chopes même jusqu'en Espagne. Ah ouais. Alors ça, c'est l'antenne de Saint-Ambrois. À droite, là? Ouais, à droite, là, ouais. Donc Saint-Ambrois, c'est un petit patelin qui est en dessous, là, à gauche. On est à 3 minutes, on est à 3 minutes, là. 3 minutes, ouais, c'est ça. Oh, on va descendre un petit fouillard. Là, on a une rivière en dessous, si on la suit, on remonte vers et là, voilà. Ouais, c'est ça, mais nous, on va directement sur le village, là, je le vois en visuel, le village. Il y a Saint-Ambrois à gauche. Là-bas, ouais, là-bas, Saint-Ambrois. Là, vient de passer Saint-Sauveur de Cruzière. 3 minutes, ouais, c'est ça, ouais, voilà. Il y en a Saint-Victor de Macap, ou je sais pas quoi, devant, là. Ouais. Et Ozon. Ah, tu as pas mis de taper sur Ozon, là. Ah, ça va pas, ça. Si, il y a le point Ozon. Alors... Oui, mais il n'était pas bien mis, ton point, tout à fait. Ah bon? Voilà, on le voit, le point, hop. Bah, de toute façon, entre Saint-Ambrois et Ozon, il y a 8 km. Ah ouais, ça... Et on est je vais rester un petit peu à gauche comme ça. Voilà, là. Reste du côté des reliefs parce que voilà. Le village, il est, ça se trouve, il est juste en face à un doudou. Là. Non, Ozon, il est à droite. Ouais, un peu à droite, ouais. Voilà, maintenant il passe à droite là. On est à moins d'une minute, on est à un peu plus d'une minute là. Ouais, c'est un de ces patelins qui est en dessous là. De toute façon, à côté d'Ozon, c'est pas compliqué. Tiens, regarde. Tu vois là-bas, à 2 heures à peu près là. Ouais. Côté de la montagne, t'as une espèce d'usine. Un truc orange là? Ouais, un peu, ouais. Eh ben, Ozon, c'est le village qui est juste à droite. Ah, il est au flanc de la montagne alors? Non, alors il est vraiment de l'autre, enfin à droite. C'est-à-dire qu'au flanc de la montagne à gauche, on a une espèce. Hop, hop là. Au flanc de la montagne, on a une espèce d'usine là, un truc à moudre. Ouais, bah guide-moi, tu me dis à gauche. Voilà, ah, il y a une pistuelle, on dirait là, non? Ah bon, ouais, je sais pas. Il y a plein de temps. Bon, c'est Lima, bon, c'est le planeur GK. On peut prendre 20 degrés à droite là. Allez, deux fois tourner au tirage, je pénètre et remonte à 0,8. Là, c'est Botelière qu'on a sous les yeux là. Voilà, ok. Et Ozon, c'est celui qui est derrière, juste avant la forêt. À droite, devant, à droite. À droite. Ouais, à au pied de la montagne. Alors, au pied de la petite colline que ça fait. Hein. Pas sur la montagne à gauche, hein, à droite. Il est à 2 heures maintenant. Mais moi, je vois un truc orange à gauche du village là. Ouais, là, c'est ça. Mais alors, ça c'est Boisson. C'est un autre village. Ça. Il y a un petit château, regardez, voilà, donc là tu vires à droite maintenant. Voilà. Et tu restes, et là, tu pars vers le, en gros vers le sud. Tango novembre, 1 minute de la verticale. Et on remet au golf, on va traverser 0,8, on va monter vers le château. Je suis la route, là, je suis la route. Le trafic avant de traverser, j'ai pas à côté, vous reportez aussi vertical? Négatif, nous on est en tour de piste, je dis ça parce qu'en fait on n'a pas de visuel sur vous, donc c'est pour ça. Ah non, c'est mis volontairement du côté opposé du tour de piste hein, pour éviter l'intrusion. On voit le trafic en train de remonter la 01. On arrive vertical des installations et on va se reporter en intégration derrière vous. À gauche de la rivière. Ok, donc nous on est en début de vente derrière 01, ce sera pour une option et toujours pas de visuel sur vous, ça vaut vraiment. C'est bien pris monsieur. Bon, écoutez, là on est vertical installation, on a visé le programme intérieur, on va s'intégrer. Il y a un silo? Ouais, un silo, ouais, les deux, ben, à droite, dans l'aile là. Alors on vient de le passer là. Allez, c'est tout le point de terrain, piste 0,8 dégagé. Est-ce que tu veux que je fasse un 360? Et allez, du remets au gauche ou on rentre derrière 0,8 en option avec visuel sur le temps pendant? Non, non, celui qui est en bout, à droite là maintenant là. Mais putain, mais à droite il y en a partout! Ah, là-bas! Et juste en dessous là, on est dessus là. Voilà. Mais non, moi je vais dire sur celui-là, là. Donc c'est le village qui est à droite voilà, maintenant là. Celui-là, voilà. Ah voilà. Ben oui, donc on n'y était pas du tout alors. Voilà. Parce que tu sais, là, ça me dit pas où c'est. Voilà, il est sous l'aile maintenant. D'accord. Moi je pensais que tu parlais du village là-bas avec le silo là. Ouais. Tiens, il y a les maisons avec les piscines là, voilà, je vois chez mes parents là. Hop là. Ah ouais. On est à combien là d'altitude? À 1500 pieds là. 1500 pieds? Alors en sol, je sais pas, faudrait voir sur SDVFR. Oui, non, mais c'est ça. Faut que ça on est en grand traversier. On est à 140 mètres en dessous là. Et tes parents, ils habitent à quel endroit là? Avec 0,8, on va 0,8, on va 0,8. Avec
l'intérieur côté droit. Avec lui, il est sur le tableau. C'est pas grave. Allez, vas-y, vire. Mais pas en, dans le village, c'est au nord, au sud, à l'est, à là l'ouest. Maintenant, ça va être. Tu vois le clocher de l'église? Oui. Ben, juste derrière le clocher de l'église. Dans l'axe, à peu près, derrière le clocher de l'église. Ah, de l'autre côté du village alors? Voilà, ouais. Maintenant, il est de côté. Donc, c'est à l'est du village. Maintenant, ça fait est. Ah, ils sont dans le village quasiment alors? Ouais, juste à la sortie du centre en fait. Oui, ben voilà, c'est pas dans des petits lotissements comme ça, là, ouais. Voilà. Tiens, tu vois la placette que ça fait là? Non. Ça fait une place sur la gauche du village là maintenant. T'as une place avec un grand parking. Oui. Bon ben voilà. Ah oui, d'accord. Bon, non, on dévie de ma part. Sur un plan complet. Ok. Et tu vas voir, quand tu vas virer, tu vas voir une piscine, maison avec une piscine. Bah, eux, ils sont juste à côté. Bah, il y a des piscines partout, hein, donc. Ah bon? Non, non, il y en a qu'une là. Tu vois la maison avec la piscine là? Moi, je vois des piscines partout. Voilà. Eh ben, celle-là, celle qui est devant la place. Ah oui. La piscine la plus claire? Ça, ouais. Et puis à côté, t'as une maison avec un... Un toit rouge? Ouais. D'accord. Et il y a quatre chaises longues blanches. Non, c'est ça? Il y avait quatre chaises longues blanches? Ah, j'ai pas vu ça. Mais le long de la piscine? Ouais, bah c'est peut-être. On voit le terrain d'Alès là-bas. Voilà. Et allez, tu remets au golf en montée initiale 01 avec une seule. Merci. Vigile également pour le trafic en montée initiale, on passe travers l'aéroport. Alès de Fox Mike Sierra, bonjour. Fox Hotel Eco Mike Sierra Piper PA28 en provenance de Aubena. On est à 3 minutes dans le nord des installations, 2000 pieds vers la verticale. Donc s'intégrer en vente arrière pour la 01. On va les faire, on les a. Et on laisse du remis au golf, on arrive en début de vente arrière 01 et enfin on est encore en vente traversée, on n'a pas visuel sur le mec. On est encore à 5-6 nautiques au nord. Ouais, ouais, bon, on est là, c'est pas la fin. Fox Mike Sierra, on passe travers Est Ville d'Alès et on rejoint le début de vente arrière 01. On passe 2000 pieds en descente. Alès 01 Golf, on va 01 pour une remise de gaz. Alès de Fox
arrière 01 pour incomplet. Ah, je le vois, le plateau qui est en plus de gaz. Donc là, le tour de piste il est un petit peu particulier à l'est parce qu'il faut éviter le village qui est là-bas, donc du coup ça, là, il n'y a presque pas de finale. Quoi. En fin de compte, il faut même commencer à descendre en vente arrière parce que c'est complètement... Mais bon après, on se passe dessus, c'est pas grave aussi. Et allez, sur Romeo Golf, remise de gaz en 01 avec visuel sur le Mike Sierra qui est en vente arrière. Un visuel aussi dans bout d'aile. Ah ouais, je le vois. Je l'ai vu depuis la... Hop, les volets. Là, tu veux qu'on le passe ensemble. Atterrissage, voilà. Et puis les palonniers sur les pieds. Alors tu mets que la pointe des pieds, voilà, pour être sûr de ne pas freiner. On va rester sur le réservoir gauche, c'est le plus plein. On a la pompe, on a les phares. Allez, c'est la bike, c'est ravir en base 08 pour incomplet. Alors toujours la main sur, mettez main sur le manche, même idéalement c'est une main sur les gaz pour pouvoir. Voilà, moi j'ai la main dessous. Voilà. Bah, faut tourner, m'empêche pas de tourner, voilà. Y arriver. Bah, ici, un final 01 pour incomplet. On va tous les volets parce qu'on arrive un petit peu vite. Allez, il faut descendre. Voilà. Il voilà, faut qu'on vise le 01. On dégage bien les talons des freins, les pieds des freins. Ouais, on va faire arrondi tout doucement. Mais là je vais tirer sur le... On tire sur le manche doucement. Et on vient mettre le nez de l'avion, tangent au bout de la piste, de l'autre côté là-bas. Allez, faut tirer. Allez, on tire, feignant. Voilà, on tire doucement, on tire, voilà. Impeccable. Allez, on va faire un vol en main pour incomplet. Non mais le volant, tourne pas le volant. C'est les pieds qui tournent. Je m'en occupe maintenant de l'avion. Voilà, il faut pas tourner le volant. Parce que là tu vas aller tout droit hein. Et en plus tu forces vachement donc... Allez, laisse Mike Sierra, piste dégagée. Je t'entends pas, t'as le micro. Allô. Faut être un casque d'enfant qui te... Et laisse les Romeo Golf, on vient en base de 01. Donc du coup t'as le micro qui arrive au milieu de la joue là donc... La pédale est un peu dure. Non non, c'est parce que t'appuies pas comme il faut. Ah d'accord. Bon là la logique est respectée. Bon ils ont fait moins de virages que nous. Ouais. Ah oui. Ouais merci Patrice, c'était très bien là le virage sur Roseron, nickel. Et voir... Bah, laisse de bike Sierra au parking, on quitte la fréquence. Et voilà. Alors, hop. On est à moins. Allô, allô. Ah, nickel. Bon, c'est top. Hein. Ouais. Top de chez top.
Ouais, c'était un peu désagréable là sur les reliefs là quand ça va mieux. Ouais, mais bon, c'est... après on s'habitue. Ouais, ça hein. Allait. Ah, faut pas avoir le mal de l'air, hein, c'est sûr. Mais sinon, c'est plaisant. Franchement. C'est vrai que le vol retour était plus sportif, hein, dis donc. Ah bon ? Bah, sportif dans le sens où on s'est fait plus secouer. Il fait pas froid. Je vois le casque. Oui. Et on est posé à 56. 56 ? Ouais. On était dans le timing là, ouais ? Ouais, je pense, ouais. Il doit arriver à quelle heure ? Je sais plus. Bah, là, on doit être dans le timing là. Minutes, alors il y avait 38 minutes de prévu plus les tours qu'on a fait. Ouais, ça colle. Hein. Alors attends, ça colle. Je me rappelle plus si je l'ai arrêté celui-là. Non, ouais, c'est un bel avion, un bel engin.